Et on est de retour ici. Donc, comme vous l'avez compris, et comme vous savez sûrement, c'est pas Big Boss qui a pris les shrapnels dans la tête. C'est nous. C'est qui y a derrière? Qui t'a que ça? Boum. Ah, la vérité, enfin. V has come to. V has come too. Who is me? Who is me? J'espère qu'on va zapper des moments parce que j'ai pas trop envie de me retaper toute la même cinématique. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Yes, I can. Just nod if you can hear me. Look up, please. Ouch. Very good. Please try to relax. There is plenty of time. J'aime bien ce passage. Please try to relax. Please listen and try not to panic. And try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Sérieux, on pèterait tous un câble. I know. You would like to know how long. Tous les gens qu'on connaît, 10 ans plus tard. It's been notre famille et tout.
crois que je sais pas. Personnellement, je sais pas comment je réagirais. Je crois que je... Je sais pas. Je crois que j'aurais une sorte de choc. Et pas genre je paniquerais à... Genre énervé, mais je... Je sais pas. Je demanderais des preuves. Je demanderais de voir les gens. De sortir. De voir ce qui a changé. Je parle par-dessus parce qu'on l'a déjà vu tout ça au début. Après, s'il y a des nouvelles scènes, je... Je me tairai. Ben, je viens de dormir pendant 9 ans, qu'est-ce que tu crois? Ah, il est encore là. It's been one week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Since you came to. C'est bizarre la façon de le dire. Et c'est juste par rapport à Vias comme tout. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. Ah ouais, la façon dont il explique aussi, c'est... 9 years ago, you were in. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça à quelqu'un de toute façon. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Yeah. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Vous imaginez avec une tête comme ça? The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Ouais, en gros, mourir. Mental quoi. And physical impairment are unavoidable. However, the current status is not life-threatening. Et le dernier, c'est horrible. One more thing. X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. Ouais, c'est vrai. Il a pas de photo. Pas tort, pardon. Look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Be brave, ouais c'est ça. Sérieux, mais ça rendrait tout le monde fou quoi. Se réveiller et manquer une main, un avant-bras, putain. Ça rendrait fou tout le monde. Le pire c'est, enfin, ce que j'ai vu des documentaires, tout ça, ce que j'ai regardé, j'ai lu. C'est la douleur fantôme, c'est qu'on croit toujours qu'on a la main, genre on peut la bouger, on la sent bouger, genre elle fait mal. Et en fait, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a même des thérapies par rapport aux douleurs fantômes. Ah, on peut comprendre maintenant. C'est vrai, il y a ceux qui wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. Là, je crois que ça va être intéressant. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. This is you, as you've lived until this day. I'm going to change your appearance. We have no other choice. Bah, par contre, je refais pas mon perso. Donc je me demande s'ils ont vraiment fait de la chirurgie sur lui. Oui, bah, oh, bien sûr, je pense, obligé. Very good.
Now let's remove these bandages. Je sais pas comment ils ont fait pour à cette époque-là. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. Comme Quiet, là, genre As derrière. Of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name. Ahab. C'était écrit A-C-H-A-B. Je crois que quand Piquad nous appelle Ahab, c'est A-H-A-B. Là, c'est pas... Big Boss, c'est énorme. C'est énorme. Ah, je voudrais. Putain, l'écriture a été bien. Everything feels all right. Big Boss, donc c'est Big Boss. C'est un peu long comme nom de faire ces traces là, mais bon. C'est un vieux pseudo que j'ai pris, qui a plus de 10 ans, donc bon. Good luck, c'est bien, c'est énorme. C'est énorme. Patient and an expert saw my face. Aww. Of course. Consider it done. Elle est tellement lente pour tuer les gens. Si on doit tuer quelqu'un, on parle pas, on le fait. On dirait qu'elle s'amuse, mais putain, mais quand on veut tuer quelqu'un, on le fait, on parle pas, on s'amuse pas. Et maintenant, c'est l'heure de faire le coup du briquet. Bien joué, boss. Merci, boss. Ah, les pétales. Okay, have time to go. Ah non, c'est A, c'est H-A-B, alors. What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news. Un truc intéressant aussi, c'est que il dit tu peux m'appeler Ishmael.
dit pas mon nom est Ismaël ou je suis Ismaël. Il dit tu peux m'appeler Ismaël. Donc c'est comme moi, comme je dirais, vous pouvez m'appeler John. Alors que c'est pas mon nom, c'est ça le truc. Come on! Donc on va sûrement avoir des différences. On peut pas avoir la photo. C'est la première fois que j'avais joué à ce moment-là. C'était quand même très très intense déjà. Le son il est énorme. Si vous n'avez pas encore un casque sur les oreilles, là, mettez le casque parce que quand il y a l'homme en feu, le man on fire, putain, le bruitage, j'adore. Même le bruit de l'hélicoptère au loin. Franchement, le son, c'est du parfait. C'est 100% parfait. Le son est nickel. Ça met grave dans l'ambiance, c'est énorme. La façon dont on bouge. Genre, on est vraiment un mec qui est... qui peut plus rien utiliser. Comme il se traîne, putain. Et ce qu'il a sur la tête, Ismaël, c'est pas exactement des bandages en fait. Je crois que c'est exactement le même truc que ce qu'il avait Kojima sur la tête pour cacher son visage. C'est un troll, Kojima. Kojima, c'est un putain de génie. Il s'était fait passer pour le producteur de Moby Dick Studio, je crois. Je crois que c'était ça. Et il avait ça sur la tête. Plein de bandages et tout. On voit un peu trop les fesses de Ismaël là. C'est un peu trop, je pense. Mais bon, c'est comme ça qu'on est quand on est dans un hôpital. Hein, donc y a pas de. On peut pas. C'est pas un truc drôle ou fait exprès. Hein, c'est comme ça dans les hôpitaux. Psychomantis. Le bruitage là est magnifique. Le son fait peur. C'est incroyable. C'est comme le Sahelanthropus, le Metal Gear. Il fait peur quand il crie. Sérieux. Franchement, s'il y avait un mec comme ça qui peut pas marcher, rien, vous l'aideriez pas parce que vous... enfin, très peu de gens aideraient cette personne.
Car vous allez mourir, il vous ralentit, vous ralentirez, donc bon. C'est un peu étrange que Ismaël soit aussi bon avec nous. Ah, ah. On peut bouger là, je crois. Ouais, ça y est. This way, hurry. Get down. J'adore en plus la façon dont ils font ce tutoriel, elle est vachement bien faite. Car c'est un mélange de tutoriel, mais vraiment, franchement, on le voit même plus le tutoriel à des moments. Parce qu'on a... L'intrigue est tellement prenante. Genre, on oublie un tutoriel parce que on sait qu'on peut mourir. En fait. Thank you, boss. C'est vrai qu'ils doivent pas y voir grand chose avec ces gros masques aussi, faut le dire. Je sais pas si vous avez déjà porté une sorte de... Je sais pas, par exemple un masque de moto, ou un casque, pardon. C'est vrai qu'on voit plus grand chose et avec ça, avec celui-là, ça c'est un masque complet, un masque de gaz complet. Donc la vue elle est vachement... diminue. Il y a un masque devant et il y a un gros casque. Donc c'est logique dans un sens qu'ils ne voient pas quoi. Ah ah. Help me. I don't want to die. Oh mon Dieu. C'est l'heure de se casser. Time to walk. Press the stance button.
Press the stand button to stand up. J'avais même pas fait gaffe. Don't get caught in those searchlights. Putain, la lumière elle venait de derrière. Don't you die on me. Ahab. 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 Ah voilà, là c'est A H A B. Tiens, voilà, ça me montre que j'avais raison. Il s'écrit différemment. Je sais pas si c'est une erreur, je sais pas lequel est. Enfin, je pense que c'est des prénoms arabes, donc Don't get caught in those searchlights. Les changer en lettres comme ça, donc pas arabe, je pense que ça doit le. Les prononciations, les sons doivent s'écrire différemment, ou alors il y a plusieurs façons de l'écrire. Allez! Donc on peut mourir dans le tutoriel, voilà. Là on a la. On a la preuve. Faut pas monter. J'étais allé un peu en avance. El gringo. Ah non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, Ismaël. What's happening out there? It's all right. We'll be okay. I can't see what's happening. We'll be okay. Yeah, bien sûr. You hear that? What's going on out there? Je crois qu'il pense que c'est Ismaël là, mais en fait non. Il nous montre ses fesses. Genre, c'est Ismaël. Ça, c'est les fesses d'Ismaël, c'est pas les mêmes. Oh mon dieu, on va tout refaire. Oh putain, ça va être long. J'étais un peu fatigué là quand même. Je pensais pas devoir tout me retaper. Je me rappelle bien, je m'étais mis sur le. Je m'étais mis là. Ismaël est dans le premier, je crois. Et là. Ah. Il est juste au-dessus.
Qu'est-ce que c'est long. Anything? Negative. Ah, j'ai faim en plus, tiens. Il came in here, keep looking. Ils sont là pour tuer Big Boss. Donc entre parenthèses nous, parce qu'on a la même tête. This way. Ok, je peux pas bouger de toute façon. This way. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. If you move, we're done for. Play dead. Move. Je voulais bien me placer. Putain, mais je fais de la merde. Je voulais bien me placer, en fait. Et donc j'ai bougé un peu, mais en fait, ça sert à rien de bien se placer. C'est con. Oups, 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 oups. Merde, merde, merde. We're sitting ducks. Blend in with the bodies. Get down on your stomach and crawl. Voilà. Là, on peut pas faire. Et ça serait été un truc, c'est de nous dire de faire Y, parce que dans le jeu, on peut faire Y quand on est au sol comme ça allongé pour être encore plus bas. Et là, on peut pas. Donc là, ça aurait été un très très bon moment en fait pour expliquer de faire ça, parce que cette mécanique, en fait, je l'avais pas vue, je la connaissais pas. Que quand j'ai vu quand je m'étais allongé, oh, le mec il a un lance-roquette. Quand je m'étais allongé, j'ai vu qu'il y avait la touche Y qui apparaissait à l'écran. Y ou triangle, hein, bien sûr. Non, là on pense qu'il est en train de se pisser dessus. Dans un sens, là, Volgin nous aide parce qu'il veut pas qu'on meure, il veut nous tuer. En tout cas, écoutez bien ce passage, j'adore. Thank you.
Putain, cette scène. Hein. Avec le bruit quand il marche. Ah tiens, là on voit ses yeux à Ismaël. Faudrait que je le regarde en pause, en vidéo. Voir si on peut voir qu'il avait deux yeux ou pas. J'ai l'impression, hein, j'ai cru voir qu'il avait les deux yeux. Je suis mort deux fois, j'espère avoir S quand même. J'aime bien aussi que quand on a une grande douleur comme ça et qu'on se soigne, les couleurs changent. Ça c'est par rapport à ses yeux. S'il a le truc dans le crâne. Pas une grande douleur et change sa vision. J'espère que j'aurai un S parce que j'ai pas envie de me retaper cette mission. Je sais qu'il y a deux tâches, c'est genre pas utiliser le mode réflexe. Et je sais pas. T'en peux pas faire pause de toute façon donc je peux pas voir. You're pretty good. J'adore ce putain de gameplay. Pourquoi Kojima a dû partir de Konami? Pourquoi Konami ne va plus utiliser ce putain de Fox Engine, bordel de merde? Ce Fox Engine est superbe, cette mécanisme, cette physique des personnages, elle est superbe. Ah, ça me tue, ça. Ça me tue. J'adore les graphismes, même s'il y a mieux. Enfin, les graphismes, c'est du 10 sur 10, quoi. Il y a pas de problème. Il y a peut-être mieux, mais bon. Mais ça, ils sont superbes, les graphismes. La lumière, elle est bien. La luminosité partout, pareil. C'est tout parfait. La physique des personnages, comment ils réagissent. La mécanique, tout ça, collision des objets entre eux, enfin, tout ça, putain, c'est tout parfait. J'adore ce gameplay. On va faire le coup du... Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Je voulais en fait l'attraper par derrière. Ah
Oh merde. On va essayer de le faire silence. Ok, on peut. On va essayer de faire plein de headshots en silence. Là. Vite, vite, vite. C'est bien ce mode, ce gameplay, parce qu'on peut rester en FPS, on peut rester en troisième personne. Où il est le connard ? Oh, faut passer par là et tout. Normalement, il n'y a plus personne. T'es l'heure de partir, cours! Normalement, on n'est pas censé les tuer, je crois. Aussi, Big Boss précise qu'il s'est pris une balle dans l'œil, je crois bien. Il n'est pas aveugle d'un œil. Il n'a pas perdu la vue, il a plus d'œil. En tout cas, même s'il a pas pris une balle, parce que je me rappelle plus exactement. Avec Ocelot, c'était Ocelot qui lui a mis une balle dans l'œil. Alors je sais pas s'il lui a mis une... Je sais plus exactement les détails, s'il lui a mis vraiment une balle ou l'œil a été brûlé à cause du tir de son pistolet. Mais en tout cas, l'œil il est plus là, quoi, il est brûlé, il est détruit. Là aussi, dans le Fox Engine, par contre, il n'y a pas de démembrement. Je pense que c'est pour... Oh la vache. Enfin, je crois que le jeu il est interdit au moins de 18 ans, je suis pas sûr. En tout cas, il n'y a pas de démembrement dans le jeu. Ah oh.
qui est bête, il aurait pu avoir des démembrements, ça aurait été bien, enfin ça irait bien avec le engine, je pense. Après c'est plus compliqué, ça rajoute beaucoup de problèmes. Mais par exemple là, cette scène là avec l'hélicoptère qui coupe les gens en morceaux, ça aurait été mieux d'avoir genre des démembrements. Peut-être pas énormément, mais quelques-uns quoi. J'adore ce passage. Genre le mec dans le tank il est là. Bon d'accord, le canon ça marche pas. Si je te roule dessus ça marche. Ce passage aussi il est bien. Quand on lui tire dessus, qu'on a plus de balles. Le truc instoppable quoi. Mal, hein. Get in! Passage aussi là, impressionnant. La fuite en ambulance, putain. Tout ce qui se passe sur la route. J'adore ce moment. C'est tellement bien fait. Après là, je sais pas exactement où, comment il tombe. Non, ils ont l'air de rester sur la route.
Ah, les mecs ont dû mourir, je pensais pas. Ils ont dû les écraser en faisant des tonneaux. Vérité. B. Oh putain, je vais devoir me la retaper. Fais chier. Oh. 6 soldats à l'entrée de l'hôpital. Putain, je vais devoir me la retaper. Bon, c'est pas grave. Ah, je me retaperai la mission plus tard. This way, boss. Hurry. Use that bike. It's tuned up and ready to go. I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. Best change your face, too. This one, he'll take your place. From here on, he's Snake. He believes it, too. My very own Phantom, huh? Boss, the whole world wants your head. Don't worry, he can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? We'll meet again. Right. Et voilà, Code Talker collabore à la création du live de codage de l'armée américaine, mission vertueuse, opération Snake Eater, mort de boss, de The Boss, Volgin dans le coma, transporté au centre de recherche périphérique Moscou, Code Talker commence les recherches dépouilles de The End. Ah, il a recommencé, oh d'accord, fin de la crise du Congo, blablabla. Tragédie non prévue, arme nucléaire, anti-rigueur, République démocratique du Congo change de nom, devient Zaïre. Début projet, les enfants terribles, naissance des clones de Big Boss, Ellie, Liquid et David, Solid Snake. Big Boss se sépare de Zero. Nanana. Mother Base est détruite. Zero cache Big Boss dans l'hôpital de Chypre et le confia au slot Skullface. Réassigné en Afrique, résurrection du paradis des cordes vocales. Ah, ça va trop vite. Abandon du projet, les enfants terribles. Ellie est amenée en Grande-Bretagne. Zero est victime de résurrection du paradis de Skullface. Big Boss, il paraît complètement japonais par le public. Il se prénomme Al.
qui a été sauvé par une thérapie parasite dans l'hôpital de Chypre, mort de Skullface. Do you remember who you are, what you were meant to do? I cheated death thanks to you. And thanks to you, I've left my mark. You have too. You've written your own history. You're your own man. I'm Big Boss. And you are too. No. He's the two of us together. Where we are today, we built it. This story, this legend, it's ours. We can change the world, and with it, the future. I am you, and you are me. Carry that with you wherever you go. Thank you, my friend. From here on out, you're Big Boss. Et voilà. Le bruitage de fin, quand il y a le fond noir, on entend la tute. Je crois que ce bruit-là, c'est le même que le codec dans Metal Gear 1. Pas Metal Gear Solid, je parle de Metal Gear 1 qui est sorti genre en 84-85 sur MSX. Parce que j'ai vu quelques vidéos et je crois bien que c'est exactement ce bruit-là. Un truc à voir aussi sur la cassette, c'est que... donc on voit From the Man Who Sold the World...
Et sur la face B de la cassette, on voit Opération Intrude N313. Je crois que c'est N313. Ça, c'est le nom de code en fait de la mission de Solid Snake qu'il avait dans Metal Gear. C'était, il devait infiltrer Outer Heaven et détruire Metal Gear, l'arme ultime Metal Gear. Donc, le truc, c'est que ce passage-là, je pense que c'est la cinématique qu'on vient de voir là. C'est juste le moment, genre la minute avant où c'est que Venom Snake, donc le personnage qu'on incarne, va affronter Solid Snake. Donc après on sait qu'aussi Big Boss était lui qui entraînait en fait Solid Snake. Ouais, ça a pas de sens ce que je pensais en fait. Je viens de changer mon esprit en fait pendant que je parlais. Parce que Big Boss en fait jouait sur plusieurs rôles. Big Boss était le gentil, poussait Solid Snake en fait à infiltrer Outer Heaven et stopper Metal Gear. Mais je pense en fait qu'il le lançait dans un piège parce qu'il a prévenu Venom Snake et il dit Venom Snake c'est son ami. Donc voilà, donc je vois pas pourquoi en fait Big Boss pousserait Solid Snake et à gagner et à détruire Outer Heaven, parce que Big Boss a créé Outer Heaven, c'est tous ses plans, c'est toute sa vie. Donc je pense que déjà il y avait eu Grey Fox avant Solid Snake, mais Grey Fox en fait s'est fait capturer par Big Boss, donc sûrement Venom Snake en fait, pas le faux Big Boss, parce que le faux Big Boss était en charge de Outer Heaven à ce moment-là, parce que là on est dans Outer Heaven, hein, je crois qu'au tout début de la cinématique, dans le tout début du jeu ça dit un jour de plus dans la guerre interminable dans Outer Heaven. Donc c'est la base Outer Heaven, donc c'est Venom Snake qui est en charge pendant que Big Boss il est à Zanzibar et il fait autre chose. Il y a ça. Donc en même temps Big Boss en fait a sûrement poussé Grey Fox à y aller, mais Grey Fox en fait il jouait pour les deux rôles et je pense qu'il a fait croire qu'il s'est fait capturer par Big Boss. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, Solid Snake est envoyé à la place de Grey Fox. Donc il va pour récupérer Grey Fox, pour le sauver. Et pour infiltrer Outer Heaven et détruire Metal Gear. Et je pense que là, Big Boss en fait a expliqué à Venom Snake que Solid Snake arrivait. Et en gros, qu'il devait l'affronter, qu'il devait le tuer. Parce qu'il était un danger, Solid Snake. Il était un danger. Mais on sait que ça s'est pas passé comme ça. On sait que Solid Snake au final a tué Big Boss dans Metal Gear. Et au final, ce Big Boss là était pas le vrai, était Venom Snake, donc notre personnage à nous. Ouais. Un peu triste de le prendre comme ça. On joue un personnage mort qui est. Ouais, on joue un personnage qui va se faire tuer. Voilà, c'est triste, mais on a quand même... Mais faut pas le prendre du côté, parce que sinon on devient déprimé en fait, et on n'a plus envie de jouer. Faut le prendre du côté que on était un medic qui a donné le meilleur de soi, et qui est arrivé au niveau de la légende de Big Boss. On est vraiment, nous les joueurs, moi, vous, on est vraiment la personne qui est arrivée à la hauteur de la légende. On a créé Diamond Dogs, c'est nous qui l'avons créé, c'est pas Big Boss, c'est nous. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là. Donc faut le prendre de ce côté-là. Après, bon, Solid Snake nous tue, Solid Snake tue Big Boss, Solid Snake tue tout le monde. C'est un salaud, Solid Snake, hein. Bien sûr, il y a une cinématique... secrète dans un sens, mais qui est pas dans le jeu, elle est cachée, il faut aller dans les fichiers et tout ça. C'est qu'on voit le Metal Gear et Ellie. Apparemment le Venom Snake donc l'a a trouvé où c'est qu'il allait, et il y a encore un combat en fait contre ce Metal Gear là. Et en gros Ellie en prend un gros coup au moral parce que Venom Snake le laisse avec un flingue et une balle pour se suicider, mais Psycho Mantis en fait l'aide à échapper, donc c'est pour ça que Ellie est toujours en vie. Donc après il devient Liquid Snake, donc voilà, c'est ça le truc.
Outer Heaven. Et il établit son royaume des mouches en Afrique. En fonction après-guerre, l'Union soviétique opère. Début de la guerre du Golfe. Ailier solides sont envoyés sur le champ de bataille. Dissolution de l'Union soviétique. On connaît posséder l'arme nucléaire. Alors qu'il commande l'unité spéciale Foxarm, en officiant au sein de l'armée américaine, Big Boss établit une nation militaire officielle Outer Heaven en Afrique du Sud. La révolte de Outer Heaven est étouffée par Solid Snake qui tue le fantôme de Big Boss. Donc Venom Snake. Émeute à Zanzibar. Solid Snake tue Big Boss, mais le patriote le ressuscite et cache son corps comateux. Il le garde en coma artificiel. Incident Shadow Moses. Mort de Maître Kazuya Miller. Je pense qu'il a été assassiné par Ocelot. Parce qu'on va la voir après. Je pense qu'il a été assassiné par Ocelot. Big Boss tue Zero, puis succombe à Fox Die. Mort de Big Boss. Tout le monde meurt. What was it all for? If the boss has some plan, what is it? The real Big Boss is working separately from us to create his new nation. New nation? A military nation above and apart from all. The true Outer Heaven. Something created to maintain world balance, independent of the struggles for supremacy, for personal profit, the cycles of revenge between countries. It'll be an army, all right, but more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss. The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. One day, the age of Big Boss's sons will arrive. They'll likely want to settle the score with him. We have to shape that age. We'll each have roles to play. Building the foundation for a revolution led by both Big Bosses, the True One and the Phantom. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. You know, sooner or later, there'll be only one boss. There's only room for one boss. His sons are fated to face each other someday, too. If the day ever comes that you go back to Cypher, I'll lay the other son. And then you and I will be enemies, too. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then, we'd better get used to coexisting. Donc, c'est à partir de ça, en fait, que je pense. Il a été assassiné, Miller. Sûrement sur les ordres de Liquid Snake. Mais je pense que c'est Ocelot qui a dû s'en charger. Parce qu'on sait que Miller est allé... il est allé... Nom de code, Big Boss. Ninja, Cyborg, Grey, Heaven, Land, Zanzibar, Heaven, Outer, Boss, Big Boss. Big. Yeah, cool. Ensemble, avant... Osleotoyakvatka, c'est quoi ça? C'est du russe? Il est allé aider Solid Snake, Miller. C'est pour ça que Ocelot en fait est allé avec Liquid Snake. On sait ça. Et après, donc, leur rôle, hein, c'était de s'entretuer dans un sens. Donc, ils sont devenus ennemis. Donc, je pense que Ocelot est allé assassiner. Miller. Yeah, soldat légendaire.
Je prends des photos en même temps. Et on en a beaucoup. 5. 6. Putain. Cool. Oh, ça m'en fait un paquet pour... Bah non, j'ai pas vu en fait. Dans quoi ils avaient S++. En tout cas, voilà, c'est la fin du jeu. Side ops list updated. Donc, nous sommes pas Big Boss, nous sommes Ahab. Alors, on a récupéré plusieurs trucs. Alors, c'est pas des plans, non. C'est des récompenses. L'étoile de Bethléem, une fleur étoile de Bethléem à la mémoire d'elle, rend possible le développement du bandana infini. Souvenir de The Boss. Concerné un combattant, une légende rend cyborg ninja uniforme et blouson en cuir, l'homme qui a vendu le monde. Donc on va faire ça. Please specify a project. Putain, c'est toujours pas fini. Alors, blouson de cuir, une veste de motard qui assure la sécurité de celui qui la porte, même dans les conditions les plus difficiles, la tenue favorite de l'homme qui a vendu le monde. L'homme qui a vendu le monde, donc Big Boss en fait. Hein. Dixman jouait le rôle du cyborg ninja, améliore la vitesse, courant ainsi à distance de saut. Et le bandana infini. Bandana infini, je vais jamais l'utiliser de toute façon. Cyborg ninja, peut-être pour le fun. Staff assigned. Ça, on va les garder. Les S+, je les verrouille pas de là-dedans. Par contre, là, non, ils sont pas. Là, est-ce qu'il y a des S++ ? Normalement, non. Enfin, on va passer tout le personnel. Décroissant, non, ça on s'en fout. R&D, S++. Lock. Je lock tous mes S++ en fait. Voilà, communication, enfin renseignement plutôt. Voilà. Médic. Pourquoi t'es loqué toi? Ah oui. Enfin non. Voilà. Après, tous ceux qui sont là. Si je les loque, en fait, ils peuvent pas partir en combat. Et comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai besoin de mecs pour partir en combat. En combat là, déploiement de combat. Et s'ils sont en combat, ils peuvent pas se faire tuer, par exemple, sur les FOB. Donc ça, c'est ça qui est bien. Donc on va faire ça. Donc voilà, c'était le chaînon manquant de l'histoire de Metal Gear Solid. Déploiement de combat. 68% maintenant là, c'est pas mal. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Voilà. Base, on n'a rien à augmenter parce qu'on n'a pas assez de ressources. Bah voilà. Ah oui, je voulais juste montrer. Please select a land heading to Central Africa. Je voulais juste montrer maintenant, je crois bien, parce que je l'ai vu en jouant, voilà. Zephyroth, ses traces. Donc ça sera mon perso. Faisons cuir. Donc voilà, ça c'est le perso sans... J'aime pas le blouson vieux, il est pas beau. J'aime pas du tout. Ouais, il a le même corps que... Un truc que... Je vais faire aussi, c'est qu'en fait... notre
corps a subi des cicatrices. Donc, logiquement, les cicatrices, elles devraient être exactement les mêmes que Big Boss. Enfin, que ce qu'on croyait qu'on était. Donc, je vais juste changer les cicatrices. Je vais mettre... C'est lesquelles ? C'est là. Ça, je crois que c'est exactement les mêmes cicatrices que Big Boss. Et on devrait avoir un œil en moins aussi. Logiquement, dans la logique des choses, parce que notre visage a été refait, peut-être recousu, tout ça, mais on a des marques. Donc on devrait avoir les mêmes marques que Big Boss, dans un sens. Que ce qu'on croyait. Donc voilà. C'est plutôt cool ce truc, en fait, d'être... Please select a mission. Please select a landing zone. Ah putain, qu'est-ce que je fais? Please select a mission. Mission accepted. Heading to Afghanistan. De pouvoir choisir son propre personnage. Donc c'est exactement les mêmes stats, hein. C'est juste que... Un, on est Snake et l'autre on est nous, en fait. Le vrai Ahab. Dont son nom. Donc c'est plutôt pas mal. Et je crois que notre personnage ne peut pas être démon. Genre il n'y a que Snake en fait, quand il passe en démon, il est couvert de sang. Je crois que notre personnage il reste normal, même s'il a une corne super grande. Donc ça c'est plutôt pratique. Ça va, mon perso, il est classe quand même. Non ? Il fait quand même vide en fait ce personnage comparé au visage de Big Boss par exemple. J'aurais bien voulu avoir une sorte de la même barbe peut-être ou un truc comme ça. Ah tiens ! Ah non, on peut pas. Non, parce qu'on peut pas avoir un casque, ouais. Parce que vu qu'on est un soldat. Ah tiens, on n'a pas de protection devant. Ah non, si. Non, pareil. Ok, d'accord. J'ai rien dit. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Bon bah ça sera tout. Et ça j'aime commenter, comme d'habitude. On se reverra sur plus de Metal Gear, des FOB, du Metal Gear Online. Tout ce qui est cool. Merci d'avoir regardé encore. C'était une superbe aventure. Super jeu, merci Hideo Kojima. Merci beaucoup. J'espère en voir plus. Enfin, dans un autre monde peut-être. Allez, salut, ciao.